Ça vient de Grèce. Wow. Ça vient du dessous du lit de mon frère. C'est quoi comme magasin? Ça, c'est la Grèce aussi. Ça, c'est la Grèce aussi. Ça, c'est pour répulser les hommes. En gros, c'est de la moldavite. Ah ouais, et ça dégage toutes les bonnes énergies. Aujourd'hui, je pense que je vais pas faire grand chose. Je vais juste genre rester chez moi. J'aimerais beaucoup finir mon livre parce qu'il faut savoir que je pars mardi, donc dans 3 jours, à Copenhague avec mon copain. Et du coup, j'aimerais ne pas prendre un livre où il me reste vraiment genre 70 pages. Du coup, objectif, le terminer aujourd'hui. Et vraiment, je lis ce livre extrêmement lentement parce que je suis pas à fond de l'histoire. Et bref, j'en parlerai un peu plus tard. Mais pour moi, ce livre est là. Plein de défauts, mais pourtant il a beaucoup de potentiel. C'est ça qui me rend fou un petit peu. Et hier soir, je suis sortie au jazz et c'est la troisième fois que je suis sortie au jazz depuis qu'il y a le jazz. Ça m'a genre grave saoulée, genre dans le sens où juste je sais pas, j'étais pas dans le mood, tout me saoulait et tout. Et du coup, je trouve ça genre c'est dommage, mais en fait en ce moment, je suis grave dans un mood de. Je suis un peu triste, enfin, genre. Je sais qu'il y a des choses qui me prennent la tête et en fait je suis triste parce que bah, j'en parle un tout petit peu, mais en fait je me sens pas forcément comprise ou j'ai l'impression d'être seule dans ma galère, et je pense que c'est accentué par le fait que du coup j'en parle vraiment très peu, et du coup c'est obligatoirement si t'en parles pas bah tu te sens plus seule, tu vois. Donc c'est un peu chiant, mais je sais que c'est juste une phase. En tout cas, j'espère que c'est juste une phase où c'est ce que je me dis pour me rassurer. Et je sais aussi que c'est un peu genre des traumas qui reviennent et des schémas. Et je suis en mode, je comprends pas pourquoi ça revient maintenant alors que genre tout allait bien. Donc je comprends pas et ça me rend fou. Et j'essaie de comprendre, mais des fois on peut pas tout comprendre malheureusement. Mais ouais, je pense que je vais en parler et puis ça va aller mieux. Mais. C'est vraiment une dinguerie parce que depuis que j'ai parlé tout à l'heure, même si j'ai pas parlé beaucoup de ce que je ressentais, je me sens tellement mieux. Et en fait, j'avais juste besoin de ça, genre d'exprimer, même si là j'ai pas tout exprimé, genre le fait de le dire à haute voix, ça m'a tellement aidée. Et genre, j'ai l'impression que ça m'a. Enfin, ça a pas tout enlevé évidemment, mais ça a enlevé quand même, genre, un gros truc. Et je sais que je dois encore en parler, mais genre, je sais pas, je me sens trop mieux. Genre, ça m'a grave rassurée juste de prendre du recul et de le dire, je sais pas, alors que genre je fais ça dans ma tête, je me parle et tout, mais là je sais pas, ça a changé. Là je vais genre classer 2-3 documents, je vais le mettre là-dedans, je sais pas. Voilà. Je sais pas comment je classe mes documents, genre tu sais, genre il y a plein de trucs importants, de documents, d'attestations, d'études et tout, que en fait je sais pas où mettre, je vais mettre là-dedans.
Je sais que ce sera là-dedans. De toute façon, au pire, je regarderai ce vlog. Lol. Là, je vais aller lire dehors parce qu'il est déjà genre bientôt 16h et j'ai rien fait à part regarder des vidéos YouTube et jouer à Clash Royale. Mais je veux finir ce fucking livre. Je suis en train de lire Not in Love, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, j'aime bien ce livre, mais en fait, je savais qu'en le lisant, j'allais pas forcément beaucoup aimer. Parce que il y a un warning dedans et l'autrice elle a dit que il y avait beaucoup plus de scènes de cul que dans ses autres livres. Et déjà je trouve que dans ses autres livres, ces scènes de cul elles m'ont un peu beaucoup cringé. Mais là ça va, dans celle-là franchement ça va. Et en fait juste les deux personnages, ils ont les deux des traumas, ils sont les deux un peu pas bien. Et du coup, leur seul truc auquel ils s'attachent c'est leur corps et... En vrai c'est un mood et tout, mais c'est quelque chose que moi je comprends pas forcément. Et en fait genre c'est beaucoup trop long, genre 10 pages à chaque fois, genre je suis là en mode tous les deux chapitres. Je suis là un peu en mode... Again! En fait je trouve ça tellement dommage parce que je trouve que l'histoire elle avait tellement de potentiel. Même l'histoire des personnages, leur background, genre... Elle est tellement intéressante et je pense, je sais pas si ça sera encore développé dans les 70 dernières pages, mais pour le moment c'est pas développé, tu vois, et je suis un peu en mode bon, ok. Le plot, genre en gros, si vous voulez, on va suivre je mettrai son prénom parce que je sais pas comment prononcer ce prénom, et Eli, il veut, il est dans une compagnie et il veut racheter la compagnie là où travaille Rue. Ils se sont rencontrés, pas comme ça, mais ils se sont rencontrés sur une appli de rencontre le soir d'avant qu'elle apprenne que c'était cette compagnie-là qui voulait racheter la compagnie où elle travaille. Et du coup, bah, c'est un peu une forbidden romance parce que du coup, genre, ils sont opposés, enfin, ils sont un peu rivaux. Elle doit pas faire ça pour son travail et puis elle veut essayer d'avoir des infos et lui, il a des infos qu'il faut pas qu'elle sache et tout, blablabla. Et donc, il y a beaucoup d'enjeux et il y a de la tension et genre, j'aime beaucoup. Mais en fait, genre, je trouve que le livre, je l'aurais tellement apprécié s'il avait été écrit d'une autre manière, si même si c'était rencontré de cette manière-là, juste s'il n'y avait pas autant de scènes de cul, parce que, bon, bah, voilà, quoi. Et juste qu'ils apprennent à se connaître avant. Et c'est un truc que j'ai beaucoup, beaucoup de peine. Peut-être parce que moi, quand je lis un livre, j'ai besoin de m'identifier au personnage, et moi, c'est vraiment typiquement un truc que je ne pourrais jamais faire. Bah, je sais pas, je n'aime pas trop. Super longtemps, je suis en train de le lire, je pense. Attendez, je vais regarder sur Goodreads depuis combien de temps je suis en train de le lire. Ouais, je l'ai commencé. Je l'ai commencé il y a 2 semaines. Ça fait 2 semaines que je suis en train de le lire. Waouh. Bon, après, j'ai eu aussi beaucoup de choses qui s'est passé durant les 2 dernières semaines, mais quand même, genre, c'est énorme. Bref, du coup, je vais aller me poser sur la terrasse, je vais lire. Et je vous redirai si j'arrive à le lire, si j'arrive à le finir plutôt. En fait c'est horrible parce qu'aujourd'hui j'ai fait que d'être sur les écrans et du coup, tu sais, j'ai trop mal à la tête, genre je la barre là quand, tu sais, quand vous savez, genre quand vous êtes trop sur les écrans, genre c'est horrible, j'aime pas ça. Et en plus puisque j'ai dormi tard, bon après j'ai quand même dormi genre 7h30 ou 7h, je sais plus. Donc ce qui est quand même pas mal, genre c'est pas j'ai dormi 4h et puis voilà. Absolument pas quoi faire parce que du coup j'ai fini Not in Love hier et vraiment on va pas se mytho, vraiment j'ai lu en croix, ça m'a saoulé, j'en pouvais plus et en ce moment je suis hyper mais genre vraiment ultra addict à mon téléphone, notamment à Clash Royale. Et genre là je pense que j'ai passé genre je pense 1 heure facile juste devant YouTube, mais j'écoutais juste YouTube et j'étais sur mon tel, c'est horrible. Mais pourtant
pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir un temps d'écran de fou. Enfin, en fait, j'ai enlevé mon temps d'écran que je passais sur Instagram, sur Clash Royale. Du coup, je sais pas ce qui est mieux, mais je sais pas quoi faire. Parce que, en fait, je sais pas si je commence un nouveau livre, sachant que je pars demain en vacances. Mais je pense que je vais quand même commencer un livre. Ou peut-être que je vais commencer à faire ma valise. Je crois que je vais faire ça. Je vais faire ma valise. Avec un peu de musique et tout. I'm back. Trop bizarre d'être à la maison. En fait, surtout d'être seule parce que du coup, je suis partie une semaine avec mon copain au Danemark. C'était vraiment grave cool. Mais là, je me rends compte qu'en fait, la journée d'hier, la journée après que je sois rentrée, en fait, j'étais juste en mode... J'ai fait du montage toute la journée. J'ai tourné une vidéo, j'ai fait du montage encore. J'ai publié la vidéo, j'ai lu un tout petit peu, j'ai un petit peu regardé YouTube. Mais vraiment, la plupart du temps, j'étais juste en train de faire du montage, et en fait là je commence à un peu m'ennuyer, genre dès que je suis seule, genre je suis en mode qu'est-ce que je fais, et à la fois ça me saoule de passer du temps sur YouTube, ça me saoule de jouer à Clash Royale, genre enfin c'est sympa genre 30 minutes, mais bon à un moment donné genre j'en peux plus, et en fait je me rends compte que j'arrive pas à lire quand je suis chez moi, genre en ce moment je sais pas, j'arrive pas. Après du coup quand j'étais au Danemark, à Copenhague, genre j'ai pas mal lu, parce que du coup mon copain il se réveillait après moi. Et du coup, bah, le matin, je me posais et je lisais et tout. Et même, il y a plein d'après-midi, on s'est posé au parc, on a lu. Et enfin, j'ai lu, lui, il a écouté des podcasts. Et c'était grave cool et tout, vraiment, j'ai adoré. Mais genre, bon, après ça, je dis ça, ça fait un jour que je suis rentrée, faut que je me réhabitue et que je reprenne le rythme, etc. Mais que j'ai vraiment besoin de sortir, ou je supporte plus en fait le fait d'être seule. Et c'est vraiment très bizarre, j'aurais jamais pensé dire ça un jour. Mais en fait je sais que si j'ai des choses à faire, par exemple là je sais qu'il faut que, enfin il faut, j'aimerais bien faire mon journal un petit peu, mettre des photos et tout, mais je me dis c'est bientôt la fin du mois de juillet et j'aimerais faire un truc un peu en mode le mois de juillet, le résumé et tout, tu vois, du coup genre je me dis est-ce que ça sert à quelque chose genre si je fais tout d'un coup ou pas, mais bon je pense que je vais quand même faire du journaling bah, en vrai aujourd'hui ou demain. Je sais pas, on verra. Voilà, c'est un peu étrange. Du coup, là, je vais aller rejoindre mes copines, Lali et Tatiana, comme d'habitude. C'est mes seules potes. Non, c'est pas mes seules potes, mais mes autres potes sont en vacances. C'est un peu triste. Genre, vraiment, à quel point, genre, plus tu grandis, moins tu vois tes potes. C'est tragique. Mais bon, ça va être cool. Genre, j'ai vraiment hâte. Et je pense que je vais prendre mon livre pour lire un petit peu. Parce que genre vraiment le sac est plus grand que moi. Mais il est hyper pratique. Je sais pas si je mets déjà mon maillot de bain ou pas. Je pense que je vais déjà mettre le bas. Parce que... Voilà. Petit après-molac. En vrai ça fait grave du bien qu'il fasse beau et chaud. Parce que à Copenhague il faisait pas si beau que ça. Enfin il faisait beau. Mais il faisait pas genre chaud. Donc ouais. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Faut se calmer là. J'ai fini ce livre, c'était vraiment, mais genre vraiment incroyable. Je sais pas si ça va m'en remettre, mais là genre ça m'a fait un peu comme quand j'ai terminé The Invisible Life of Addie LaRue.
je suis en mode waouh, c'était tellement bien écrit. Même si au début j'aimais pas tant que ça, mais là genre oh, c'était incroyable. Genre vraiment les thématiques du temps qui passe, de j'ai genre juste pas les mots là pour en parler, mais je pense que j'en parlerai dans mon update lecture, même si j'ai pas lu beaucoup de livres au mois de juillet. Du coup je sais pas si je ferai un update lecture, mais en tout cas je sais pas comment je vais m'en remettre, mais je vais m'en remettre. Oh, c'est incroyable vraiment. Bref, du coup là je sais pas quoi lire, mais c'est pas grave puisque je vais sortir avec mon copain. Ça va être fun, j'ai hâte.